السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله بث مباشر لمراجعة دروس المستوى الرابع ابتدائي. Bonsoir mes chers élèves, on va commencer la révision des unités 1 et 2 pour le niveau CM1, la quatrième année de l'enseignement primaire. Alors, on a déjà un spectateur. J'attends votre participation. Merci de partager avec vos camarades de classe. Comme ça, on aura une diffusion qui est très réactive. Et pour mieux profiter de cette séance de révision. Alors, j'attends votre signe, mes chers élèves, pour commencer. Je répète que cette diffusion en direct fera l'objet d'une révision des unités 1 et 2. Et on va commencer par un texte, des questions de compréhension, puis on va entamer la langue, ou bien la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, etc. Merci de partager avec vos camarades de classe. Bonsoir mes chers élèves, Rim, Youssef. Alors,
Est-ce que vous êtes prêt pour commencer cette diffusion en direct ou bien cette révision? Alors, Rim Youssef, avant de commencer la révision. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un groupe nominal ou bien il est composé de quoi? Bonsoir Jalel. Je répète ma question. C'est quoi un groupe nominal? J'espère que vous arrivez à m'entendre. Je répète ma question. Rim, Youssef, Jalel, c'est quoi un groupe nominal? Vous avez vu ça dans le cours de la grammaire, l'unité 1. Alors, mes chers élèves, est-ce que vous savez c'est quoi un groupe nominal? Ou bien, si vous ne vous rappelez pas de la définition, justement, envoyez-moi des groupes nominaux. Des exemples de groupes nominaux. Alors, Rim. Youssef, Jalel, est-ce que vous êtes là? Ou bien vous vous endormez? Oui, Rizlan. Pardon, je dis toujours Rizlan. Pardon, Rim. Oui, Rim. Un groupe nominal se compose d'un déterminant et d'un nom. D'accord? Voilà, il se compose d'un déterminant et d'un nom. Très bien. Et nom, Rim, ça s'écrit avec M. D'accord? Je crois que tu as fait une faute de clavier. D'accord, je le corrige en tout cas. Voilà, il se compose d'un déterminant et d'un nom. Très bien. Dans ce cas, je l'appelle un groupe nominal minimal. D'accord? Un groupe nominal minimal, il se compose obligatoirement d'un nom qui s'appelle un nom noyau et d'un déterminant. Un déterminant qui change ou bien qui suit le nom dans son genre et son nombre. Si le nom est masculin, le déterminant est masculin. Si le nom est féminin, le déterminant est féminin.
c'est le nom est singulier, le déterminant est singulier. Et si le nom est pluriel, alors le déterminant, pardon, doit être aussi pluriel. Et voilà, et ce groupe nominal que tu viens de dire rime peut être enrichi par d'autres mots, par exemple un adjectif, un complément de nom, un groupe de mots, d'accord ? Dans ce cas, je l'appelle un groupe nominal enrichi. D'accord, mes chers? Voilà. Alors, très bien, Rim. Bravo. Donc, pour ne pas tarder, on va commencer notre révision, bien notre évaluation, par la lecture d'un texte. D'accord? On va faire les questions de compréhension de ce texte. D'accord, Rim? Puis, on va voir quelques exercices de la grammaire, de la conjugaison. D'accord ? Alors, on va commencer. Ala barakatillah. Voilà. Le texte que je vous propose, voilà, il n'est pas sur votre manuel. Vous pouvez suivre sur l'écran. D'accord ? Le texte s'intitule « Le problème ». Le problème. Je vais lire le texte, ma chère Rim. Alors, écoute-moi attentivement, pour Jalal aussi et Youssef. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. Alors, demandèrent les parents, et les faits ce problème? Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. Pas encore, répondit Delphine avec une pauvre voix. Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Mais avec vous, c'est toujours la même chose. Pour s'amuser, jamais en retard. Mais pour travailler, plus personne. Il y a déjà 2 heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, oh, s'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Se trouvant ainsi derrière le dos des petites, ils tendirent le cou par-dessus leur tête et tout d'abord restèrent muets d'indignation. Delphine et Marinette avaient dessiné l'une un pantin qui tenait toute une page de son cahier de brouillon, l'autre une maison avec une cheminée. Les parents se mirent à crier, disant que c'était incroyable et qu'ils n'avaient jamais mérité d'avoir des filles pareilles. Ils faisaient tant de bruit que le chien. Ils faisaient tant de bruit que le chien couché sous la table aux pieds des petites finit par se lever et vint se planter devant eux. C'était un berger, Briard, qui les aimait beaucoup, mais qui aimait encore plus Delphine et Marinette. Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables, dit-il. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui nous fera avancer dans le problème. Et d'abord, à quoi bon rester ici à faire des problèmes quand il fait si beau dehors? Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. Voilà, c'est un texte extrait du, de,
du conte, le problème des contes du cas perché de l'écrivain Marcel Aimé. D'accord ? J'ai fini la lecture du texte. On va le revoir encore une fois. D'accord ? On va essayer de l'expliquer un petit peu. Voilà. Dans le début du texte, on a les parents, voilà, qui rentrent à la maison. Ils posent leurs outils. Voilà, ils étaient en train de travailler quelque chose en dehors de la maison. Ils ont posé les outils, d'accord ? Contre le mur. Voilà, ils rentrent. Et ils trouvent à la maison, il y a dans la maison Delphine et Marinette, deux filles qui sont assises l'une à côté de l'autre en face de leur cahier de brouillon. Voilà, elles étaient en train de faire des exercices. D'accord ? Delphine et Marinette, ils tournaient le dos à leurs parents. Leurs parents étaient derrière eux, alors que les deux petites filles sont en train de faire ou bien de réviser leur leçon, d'accord ? L'une à côté de l'autre. Voilà. Elles mettent le bout de leur porte-plume. Porte-plume, c'est comme le stylo. Autrefois, on écrivait avec des porte-plumes, d'accord ? Maintenant, on écrit l'eau, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils font, les filles ? Ils mettent le bout, la fin du porte-plume dans la bouche. Ils étaient en train de réfléchir à la réponse, d'accord ? Et ils étaient en train de bouger ou bien balancer leurs jambes sous la table. Voilà, c'est un mouvement que tous les enfants font. D'habitude, lorsqu'ils sont assis sur la table, en train de faire des exercices, ils balancent les jambes, d'accord ? Ils font des mouvements par les jambes. Alors, demandèrent les parents. Voilà, ce sont les parents qui vont demander aux filles s'ils ont fait. Alors, les deux fillettes, elles étaient en train de résoudre un problème. C'est une question de mathématiques, voilà. Ils doivent chercher une solution à ce problème. Les petites, bien sûr, ils n'ont pas encore trouvé de solution. Ils deviennent rouges. Ils sont timides. Leur visage devient rouge. Voilà. Ils ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. Les porte-plumes étaient dans leur bouche. Et ils les font sortir de la bouche. C'est ça le sens de ôter, le verbe ôter, d'accord ? Pas encore, répondit Delphine. Voilà, l'une des fillettes répond d'une manière timide, avec une pauvre voix, une voix très douce. Elle est timide et la honte de ne pas pouvoir répondre. Donc, il a dit pas encore. Il n'a pas encore fait son devoir, il n'a pas encore trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Il dit que le problème est difficile à le résoudre. Il ajoute aussi que la maîtresse leur a dit en classe que le problème est qu'ils devaient réfléchir beaucoup pour répondre. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Voilà, ce sont les parents qui parlent ici. Qu'est-ce qu'ils disent ? Puisqu'il vous a donné ce problème, alors il juge que vous pouvez le faire. Vous pouvez répondre. Mais avec vous, c'est toujours la même chose. Alors, est-ce que Delphine et Marinette sont toujours sérieuses ? D'après leurs parents, non. Lorsque Delphine et Marinette veulent s'amuser, voilà, elles sont toujours prêtes. Voilà, elles ne tardent pas à aller s'amuser, à aller jouer. Mais pour faire les exercices, faire les devoirs, pour travailler, il n'y a personne. Voilà, ça veut dire que Delphine et Marinette, ils n'aiment pas faire leurs exercices. Voilà, pour cette partie-là, j'espère que c'est clair.
Il y a déjà 2 heures qu'on cherche, dit Marinette. Voilà, Marinette va répondre à ses parents qu'il y a déjà 2 heures qu'il cherche la solution. Il a passé 2 heures devant son cahier à chercher la solution du problème. Qu'est-ce qu'il dit la maman ou bien le papa? Ils leur disent, vous allez chercher et chercher et chercher jusqu'à ce que vous arrivez à répondre à ce problème-là et vous devez le faire avant le soir, voilà, ou bien le problème doit être fait ce soir. Puis ici, il les menace. Il leur dit que si ils ne font pas ou bien ils n'arrivent pas à résoudre le problème, ils seront punis. Voilà. Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. J'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Ici, les parents, ils menacent les deux fillettes. Ils leur disent qu'ils seront punis s'ils ne terminent pas leur devoir. Alors, se trouvant ainsi derrière le dos des petites. Voilà, ici on parle des parents encore une fois. Ils tendirent le cou, voilà, ils se penchent, voilà, par-dessus les têtes des deux filles. Puis, ils restèrent muets d'indignation. Ils sont stupéfaits de ce qu'ils ont vu sur le cahier des deux fillettes. Voilà, dans cette phrase, l'auteur va expliquer qu'est-ce que les parents ont trouvé sur le cahier de chacune de leurs filles. Delphine et Marinette avaient dessiné. Au lieu de répondre au problème que la maîtresse leur a donné, ils étaient en train de dessiner. L'une, elle a dessiné un pantin qui tenait toute une page de son cahier de brouillon. Il a dessiné un grand pantin sur son cahier de brouillon. C'est clair, mes chers élèves? Alors, Delphine et Marinette. Alors, mes chers élèves, pantin, c'est une sorte de poupée dont on peut faire bouger les bras, les jambes, la tête en tirant sur une ficelle. On peut dire aussi marionnette. Voilà, Delphine a dessiné une marionnette comme Pinocchio. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est un personnage dans un conte imaginaire. Il s'appelle Pinocchio, vous le connaissez certainement. Le gars qui ment, d'accord? Qui en mentant, son nez grandit. Je suis sûre que vous le connaissez, mes chers élèves. Voilà, pantin, marionnette, comme Pinocchio. Pinocchio, c'est un pantin de bois. Voilà, Delphine. Ou bien l'une des filles a dessiné un pantin sur son cahier de brouillon. L'autre a dessiné une maison avec une cheminée. Voilà. Là, les parents se mettent en colère. Ils ne sont pas contents de leur fille. Au lieu de faire l'exercice, ils étaient en train de dessiner. Les parents, bien sûr, ne vont pas aimer cette attitude, ce comportement des deux filles. Voilà, ils se mettent à crier et ils disent qu'ils ne sont pas contents de leur fille. Voilà, ici, qu'ils n'avaient jamais mérité d'avoir des filles pareilles. D'accord? Le comportement de leur fille les déplaise. D'accord? Ils n'aiment pas le comportement de leur fille. Il faisait tant de bruit que le chien couchait sous la table aux pieds des petites. Voilà. Dans cette même maison, il y avait un chien qui est
couché sous la table aux pieds des deux petites filles. Alors, les parents qui se mettent à crier, à taper des pieds sur le sol, ils ont réveillé le chien qui se lève et se tient debout devant les deux parents. Alors, le type de ce chien, ou bien sa race, c'est un berger briard. C'est un genre de chien, un type de chien, une race de chien. Voilà, ce chien-là, elle aime les parents, mais elle aime plus les deux fillettes, Delphine et Marinette. Et voilà, qu'est-ce qu'il va dire, le chien, ou bien se dire, parce qu'il ne peut pas parler, mais l'auteur imagine que le chien dit ces paroles-là pour défendre les deux filles. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables. Voilà, il dit aux parents que ce qu'ils font n'est pas raisonnable. Ils ont tort de crier sur les deux fillettes seulement parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui nous fera avancer dans le problème que cette attitude, l'attitude des parents envers le comportement des deux filles, n'est pas sain. C'est pas ça ce qui va pousser les deux filles à avancer dans le problème, d'accord? Il ajoute aussi, c'est le chien qui parle toujours. Et d'abord, à quoi bon rester ici à faire des problèmes quand il fait si beau dehors? Comme un chien, il aurait bien aimé aller jouer dehors, planté sur la table, en train de faire des devoirs ou bien de résoudre des problèmes. Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. Il ajoute que les petites filles, elles seraient bien mieux à jouer. D'accord? Il vaut mieux laisser les deux petites filles aller jouer dehors. Voilà. C'est ce que le chien de cette famille pense. Voilà. J'espère que le père, Rim, tu es toujours là. Youssef aussi, Jalel. Voilà. On passe aux questions de compréhension pour voir si vous avez compris un petit peu le texte. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je commence par la première question. Quels sont les personnages de cette histoire? Quels sont les personnages de cette histoire? On a parlé de trois personnages. Quels sont ces personnages? Et je reviens au texte pour les repérer ensemble. Voilà. Au début de texte, on trouve quoi? Alors, Rim, tu es toujours là, ma chère? Youssef aussi? Vous voyez, dans le début de texte, on a les parents posèrent leurs outils contre le mur. Alors, Islaine, qui sont les personnages, pardon, qui sont les personnages, ma chère, dans ce texte? Voilà, le texte est devant toi. Tu peux me dire c'est quoi les personnages ou bien quels sont les personnages dans ce texte. Voilà, Hidaya, bonsoir. Il vient d'envoyer une réponse. Oui, les parents, très bien. C'est au début du texte, les parents. Qui d'autre? Voilà, on a dit que les parents rentrent à la maison. Il trouve qui à la maison, sur la table, en train de faire des exercices? Alors, Rim, j'attends ta réponse, ma chère. On a dit les parents, qui d'autre? Quels sont les autres personnages? Rim, Youssef, Jalel, Hidaya.
Très bien. Hidaya, bravo. Oui, Rim, les parents, Marinette. Alors, Marinette, Rim, tu dois l'écrire avec une majuscule au début, d'accord? Marinette, c'est un nom propre. C'est ça, ma chère. Marinette, c'est un nom propre et commence toujours par une majuscule. Voilà. Delphine aussi, ce sont deux sœurs, Marinette et Delphine. Il reste un dernier personnage, voilà, qu'on trouve à la fin du texte. Voilà. Voilà, dans ce paragraphe. Voilà, dans ce paragraphe, l'auteur, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, Rim, Jalal, Hidaya et Youssef, ils faisaient tant de bruit que le chien couché sous la table aux pieds des petites finit par se lever et vint se planter devant eux. Alors, d'après ce passage, quel est le dernier personnage du texte? Quel est le dernier personnage du texte? D'accord, Rim, on est d'accord. Marinette et Delphine, ils commencent par une majuscule. Très bien, ma chère. Alors, c'est qui le dernier personnage? Voilà, il se trouve dans ce paragraphe. Il faisait tant de bruit que le chien couché sous la table, aux pieds des petites, finit par se lever et vint se planter devant eux. Alors, c'est qui le dernier personnage? Allez-y, Rim, Hidaya, Jalal, Youssef. Le chien, oui, le chien est le dernier personnage du texte. Très bien, Hidaya, bravo. Alors, Rim, est-ce que tu as remarqué qu'il y a que l'auteur dans ce texte, il parle aussi d'un chien? Un chien, comme j'ai dit tout à l'heure, il était en train de dormir sous la table. Oui, Rim, très bien. Le chien, il était en train de dormir sous la table. Où les petites filles étaient en train de travailler, de faire leurs exercices. Mais les cris des parents, il a réveillé le chien. D'accord? Très bien. C'est juste, je visualise la réponse. Voilà, les personnages de cette histoire sont les parents, Delphine, Marinette et le chien. Alors, Rim et Hidaya et les autres, mes chers élèves, vous devez, en examen, écrire toute la phrase. Vous allez écrire les personnages de cette histoire sont deux points. Les parents, virgule, Delphine, virgule, Marinette et le chien, point. D'accord? Voilà, très bien, Hidaya. Alors, on passe directement à la deuxième question. Que doivent faire les deux petites filles? Coche la bonne réponse. Alors, le premier choix. Est-ce que les deux petites filles doivent dresser la table pour dîner? Ou bien résoudre un problème? Ou bien sortir le chien? Alors, j'ai expliqué le texte. Vous allez me dire maintenant. Les deux petites filles, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce que leurs parents leur ont demandé de dresser la table pour le dîner? Ou bien ils leur ont demandé de résoudre un problème? Ou bien ils leur ont demandé de sortir le chien? Alors, j'attends vos réponses. Et je peux revenir au passage où l'auteur a mentionné ça, a dit ça. Alors, voilà. Alors, demandèrent les parents. Il est fait ce problème? Ça veut dire quoi? Les deux parents demandent aux deux petites filles s'ils ont fait le problème que la maîtresse leur a donné.
Voilà, la maîtresse a donné aux deux petites filles un problème à résoudre à la maison. Voilà, les parents qui rentrent à la maison, ils demandent aux deux filles s'ils ont fait le problème. Je comprends quoi alors que la réponse c'est comme Hidaya a envoyé résoudre un problème. Très bien, Hidaya. Alors, Rim, j'espère que tu m'écoutes. Est-ce que tu es d'accord, Rim? Est-ce que les deux petites filles doivent résoudre un problème? C'est ça la bonne réponse? Voilà, je visualise la réponse. Peut-être que Rim a un problème de connexion. C'est pas grave. Voilà. Les deux petites filles doivent résoudre un problème. On passe directement à la troisième question. Pourquoi les parents sont-ils restés muets d'indignation? Pourquoi, à votre avis, les deux parents sont restés muets? Ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Votre avis, mes chers élèves? Qu'est-ce que Marinette et Delphine ont fait, ou bien qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur cahier de brouillon? Ils sont censés répondre ou bien résoudre le problème. Mais est-ce qu'ils ont fait ça, Rim? Est-ce que Marinette et sa sœur Delphine ont résolu le problème? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le cahier de brouillon? Alors, je vais visualiser la partie qui parle de ça. Je vais lire. Se trouvant ainsi derrière le dos des petites, voilà, les parents, bien sûr, ils étaient derrière le dos des petites, ils tendirent le cou par-dessus leur tête. Ça veut dire qu'ils se penchent vers les deux petites filles. Et tout d'abord, restèrent muets d'indignation. Ça veut dire... ils sont stupéfaits, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qui se passe. Alors, pourquoi? Pourquoi ils étaient stupéfaits, les parents? Oui, voilà, c'est clair dans cette phrase. Parce que Delphine et Marinette avaient dessiné l'une, un pantin qui tenait toute une page de son cahier de brouillon. Il a dessiné un pantin sur son cahier de brouillon et l'autre, une maison avec une cheminée. Pourtant, leurs parents s'attendent à ce qu'ils voient la solution du problème. Alors, bien sûr que les parents vont se mettre en colère, d'accord? Et c'est très bien, Rim, très bien, Hidaya. C'est la question, bien le choix. C'est. Voilà, très bien pour cette partie-là. On passe à la quatrième question. Relève la phrase. Voilà, relève la phrase qui montre que les parents risquent de punir Delphine et Marinette. Voilà, j'ai expliqué aussi ça dans le texte. Il y a dans le texte une phrase qui veut dire que si Delphine et Marinette n'arrivent pas à résoudre le problème, leurs parents vont les punir. Voilà, je vais lire le passage et vous allez trouver la phrase qui veut dire la même chose. Il y a déjà 2 heures qu'on cherche, dit Marinette. Voilà. Eh bien,
Vous chercherez encore. Ça, ce sont les parents qui parlent ici. Eh bien, vous chercherez encore. D'accord? Vous devez chercher jusqu'à ce que vous arrivez à répondre ou bien à résoudre le problème. D'accord? Ils doivent résoudre le problème à tout prix. Vous y passerez votre jeudi après-midi. D'accord? Les deux filles ne sont pas autorisées à aller jouer. Ils vont passer toute l'après-midi du jeudi à résoudre le problème. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. D'accord? Ils ont jusqu'au soir pour donner la solution du problème. D'accord? Et si jamais il n'est pas fait? Et si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Oh, s'il n'est pas fait, voilà, c'est une menace. Oh, s'il n'est pas fait. Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Ça veut dire, je préfère ne pas penser à ce que vous allez subir si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. D'accord? Et si, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils menacent Delphine et Marinette. Et leur disent qu'ils seront punis s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Alors, c'est quoi la phrase à votre avis? Je reviens à la question. Relève la phrase qui montre que les parents risquent de punir Delphine et Marinette. Alors, c'est quoi cette phrase, Michel? Allez-y, réfléchissez un petit peu. Je l'ai expliqué, voilà. Il y a la punition implicite dans cette phrase. D'accord? Voilà, oui. Oui, Hidaya, on peut dire « J'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » Oui, très bien. Ou bien, toute cette partie-là, alors, Rim, pour la partie que tu as dit, voilà. Les parents disent à leur fille qu'ils doivent résoudre le problème. D'accord? Coûte que coûte, ils doivent répondre à ce problème. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il va arriver si c'est le problème? Voilà. Les deux filles doivent passer leur temps à résoudre le problème. Et ils ont jusqu'au jeudi soir pour donner la réponse. Ils n'ont pas de réponse. Bien, et si jamais le problème n'est pas fait, il viendra à la punition. Donc, Rim, c'est cette partie-là qui parle de la punition. Est-ce que tu sais c'est quoi déjà la punition? On punit un garçon ou bien un enfant qui fait des bêtises, qui fait trop de bêtises. On peut le punir, d'accord? Comment je peux le punir par exemple? Je lui interdis de voir la télévision pendant une journée par exemple. D'accord? Voilà, très bien. Alors, est-ce que c'est clair, Rim? Voilà, ma chère. C'est ça, la réponse. Et si jamais il n'est pas fait? Oh, s'il n'est pas fait. Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. D'accord? Les deux parents menacent Delphine et Marinette d'une forte punition, d'une grande punition, s'il n'arrive pas à résoudre le problème. Est-ce que c'est clair maintenant, Rim? Très bien, ma fille. Alors, la cinquième question. Qui essaye de défendre les petites filles? Et pourquoi?
Dans ce texte, il y a un personnage qui essaye de défendre les deux petites filles. On va chercher qui? Voilà, on a dit dans la première question que dans le texte, on a les parents, les deux filles, Delphine et Marinette, et le chien. Et dans le texte, il y a un personnage qui veut aider les filles. D'accord? Un personnage qui aime beaucoup Delphine et Marinette. C'est qui ce personnage? Rim, Hidaya. Oui, Hidaya, très bien. C'est le chien. Le chien qui est couché sous la table au pied des deux petites filles. Voilà. L'auteur, il a dit que ce chien-là, il aimait les parents, d'accord? Mais il aimait encore plus Delphine et Marinette. Il aime, le chien aime Delphine et Marinette plus que leurs parents, d'accord? Est-ce que c'est clair, Rim? Voilà, Rim. Très bien, c'est le chien. Bravo. Et pourquoi? Voilà, c'est le chien qui essaie de défendre les petites filles car il les aime beaucoup. Vous voyez? J'ai dans la question pourquoi? Je dois utiliser en réponse car ou bien parce que. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Voilà, très bien. Alors, comment comprends-tu le passage « Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables » Dit-il, ça veut dire « dit le chien », ça ce sont les paroles du chien. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui nous fera avancer dans le problème. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ce passage? Vous pouvez vous exprimer quand vous voulez, c'est pas grave. On va corriger ensemble, mais je vous invite à exprimer ce que vous avez compris. Alors Rim, j'attends ta réponse, Hidaya aussi. Alors Rim, ça c'est la réponse? C'est le chien qui essaie de défendre les petites filles car il les aime beaucoup. Alors ma chère, c'est quelle réponse ça? C'est beaucoup? Tu peux m'expliquer un petit peu, Rim? Tu réponds à quelle question là? Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans ce passage, le chien ou bien l'auteur rapporte les paroles du chien. Qu'est-ce qu'il pense ou bien qu'est-ce qui se déroule au fond du chien qui aime et les deux filles et les parents. Voilà, elle est en train de conseiller les parents, de leur dire que ce que vous faites n'est pas juste, c'est pas correct. Comment vous vous comportez avec les deux petites filles? D'accord? Le chien dit que les cris, se mettre en colère, taper du pied, c'est pas la solution. C'est pas ça qui va aider les petites filles à résoudre le problème. Voilà, il invite les parents à être calmes, à être doux, en se comportant avec leur fille. Est-ce que c'est clair, Hidaya et Rim?
Oui, Hidaya, la punition n'est pas la bonne décision pour avancer dans le problème. Très bien. J'espère que tu as compris, Rim. Alors, si tu as compris, tu peux m'envoyer ta propre réponse. Tu réponds selon ce que tu as compris. D'accord, ma chère? Dans cette question, il n'y a pas de réponse fausse comme il n'y a pas de réponse juste 100%. On essaye de dire ce qu'on a compris de ce passage. Là, c'est un message que le chien envoie aux parents. Voilà, ils veulent leur dire que le fait de crier, le fait de se mettre en colère devant nos enfants, qui ont commis des fautes qui ne sont pas graves, d'accord? Ça résout rien, d'accord? Ça ne corrige rien. Il peut même aggraver la situation. Alors, il invite les parents, il dit à parents de se comporter doucement avec les deux filles, de leur expliquer leurs fautes, de leur expliquer le problème s'il est difficile, d'accord? C'est comme ça on doit se comporter avec nos enfants. J'espère que c'est clair pour toi, Rim. Et je souhaite que tu essayes de formuler une phrase qui explique ce passage. Voilà, je veux voir ta façon de s'exprimer. Voilà. J'attends ta réponse, Rim, pour passer à la grammaire. Alors, Rim, tu peux formuler une petite phrase, ma chère. On va la corriger ensemble. Alors, Rim, je suis sûre que tu peux formuler une belle phrase. Une phrase qui explique le passage qui est devant toi. Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui ne fera avancer dans le problème. Alors, je crois qu'il y a un décalage entre moi, entre Rim et nous. On passe directement à la grammaire, aux questions de grammaire. Voilà, pour faire la révision des déterminants. D'accord? Vous avez vu les déterminants et le type de chacun de ces déterminants. Alors, dans cet exercice, vous êtes censé relever les déterminants dans ces phrases et préciser le type de chaque déterminant. Qu'est-ce qu'on entend dire par type? Est-ce que c'est un article défini, ou bien un article indéfini, ou bien un déterminant possessif? Voilà, ou bien un déterminant possessif. D'accord? Alors, je vais lire la phrase, pardon. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. C'est la première phrase. Mes chers élèves, vous devez chercher les déterminants dans cette phrase. Puis vous allez dire, est-ce que c'est un article défini, article indéfini ou bien un déterminant possessif?
Je crois que la consigne est claire. J'attends vos réponses, mes chers élèves. C'est un exercice facile que vous pouvez trouver le jour de l'examen, bien dans vos contrôles. Alors, Rim Hidaya, est-ce que vous êtes toujours là? J'attends vos réponses. Voilà, Hidaya, tu as envoyé la réponse. Oui, on a les parents. Les, c'est un déterminant, précisément un article défini. Très bien, on va souligner. Voilà, c'est un article défini. Très bien. Quoi d'autre? Rim, tu es toujours là, ma chère? J'attends ta réponse, ma chère. Voilà, Rim, très bien. Les, voilà, les parents. Les, c'est un article défini. Très bien. Voilà. Alors, Hidaya, il y a un autre déterminant avant le. Avant le. Il y a un autre déterminant. Voilà, Hidaya, c'est l'heure. Leurs outils. Leurs outils. C'est un. C'est quoi? C'est quoi le type de ce déterminant? Allez, Rim. Hidaya, l'heure, c'est quoi comme déterminant? Oui, Rim, le mur, c'est un article défini. Mais avant, ma chère, il y a l'heure, leurs outils. C'est quoi ce déterminant, Rim? Il s'agit de quoi? Ou encore, ici, outils, c'est un nom pluriel, c'est ça, Rim. On dit des outils. D'accord? Alors, si je te demande de mettre ici outil, qui est singulier, sans S, qu'est-ce que tu dois mettre ici à la place de l'heure? Très bien, Rim, c'est un déterminant possessif. Alors, ma chère, ma question c'est, tu mets à la place de outil, qui est pluriel, outil, sans S, qui est singulier. Alors, quel déterminant possessif tu dois mettre devant outil, d'accord? Est-ce que tu peux répondre à cette question? J'espère que c'est oui. Enfin, je suis sûre que tu connais la réponse. Voilà, on dit un outil, ma chère. Donc, voilà, on doit mettre, oui, très bien, Hidaya, très bien, Rim. Bravo, le outil. Et cette fois-ci, si je parle d'un seul parent, si je mets ici, par exemple, le papa posa. Voilà, outil avec S. Je mets quoi à la place de l'heure? Si j'ai ici le papa ou bien le père, je vais vous écrire la phrase.
Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux. Voilà, le père. Voilà, posa des points. Outil avec S, voilà. Alors, Rim, tu vas mettre quoi à la place des points? Voilà. Tu vas remplir le vide avec quoi, ma chère? Le père posa. Est-ce que je dis le père posa leurs outils? Est-ce que c'est correct, Dim? Ici, je parle du père. Qu'est-ce que je dois mettre, ma chère? J'attends ta réponse, Rim. Le père posa. Alors, Rim, je parle de d'un seul ou bien d'une seule personne qui est le père. Le père, je dis. Alors, Rim, j'utilise leur. Si je parle de beaucoup de personnes, ici les parents, lorsque je parle des parents, j'utilise leur. Mais lorsque je parle d'une seule personne, j'utilise son. C'est ce nom-là est singulier. Et c'est ce nom-là est pluriel. Est-ce que c'est clair? Je dis par exemple, le père posa son outil. C'est outil est singulier. J'espère que c'est clair, Rim. Et je dis aussi, le père posa ses outils. Ses outils est pluriel. Ses outils. Les outils de qui? Les outils de père. Ses outils. D'accord? J'espère que c'est clair, ma chère. Alors, vous avez dit, toi et Hidaya, le. On a le. C'est un article défini. Voilà, vous avez dit aussi la porte. Là, c'est un article défini. Très bien. Alors, quel est l'autre déterminant? Voilà, il y a un déterminant que vous avez vu dans le cours et que vous avez nommé un déterminant, un article défini, contracté. Vous avez vu ça dans le cours. Des articles définis en forme contractée. J'attends ta réponse, Rim. Aussi la réponse de Hidaya. Alors, Rim, on a la porte, d'accord? Poussons la porte. D'accord?
réponse. Et je vais vous expliquer, d'accord? On a la porte, oui, c'est un article défini. Et on a aussi au seuil. C'est la forme contractée de l'article défini. Alors, Rim, je vais t'envoyer l'explication. On a dit, vous avez vu dans le cours que au, c'est quoi? C'est A plus c'est A plus le. Alors, Rim, A et le, ça donne O. Alors, ici, l'origine, c'est A le seuil. Je dois dire A le seuil, d'accord? Qui devient au seuil. J'espère que c'est clair, Rim. Alors, ici, dans ce mot-là, voilà. Est-ce que c'est clair, Rim? Ou vous avez vu ce que c'est à le. Je vais à la maison, j'ai pas de problème. Mais lorsque je vais dire je vais à le zoo, je dis pas comme ça. Ce qui est correct, c'est je vais au zoo, d'accord? Je vais à le zoo, c'est pas correct, mais je vais au zoo. Alors dans le mot au, j'ai la préposition à et le déterminant le. Très bien. Alors je dois souligner ça et ça s'appelle la forme contractée de l'article défini. Tu reviens au cours de déterminant, l'unité 1, tu vas trouver ça. D'accord, Rim? Très bien. Alors je dois aussi souligner ça. De la cuisine, là. C'est l'article défini. Très bien. Alors, la phrase suivante, c'était un berger briard qui les aimait beaucoup. Dans cette phrase, quels sont les déterminants et leur type? C'était un berger briard qui les aimait beaucoup. Alors, Rim, ta réponse, s'il te plaît? Alors, Rim, est-ce que tu arrives à trouver le déterminant dans la phrase, la deuxième phrase? C'est un déterminant quoi? On l'appelle comment, ma chère? Rim, comment il s'appelle ce déterminant, ma chère? Oui, Rim, c'est un déterminant indéfini. Je comprends ce que tu veux écrire, ma chère. C'est pas grave. C'est pas facile d'écrire sur un portable, ou bien une tablette, ou bien un PC.
Alors, voilà, c'est correct. 1, c'est un déterminant indéfini. Est-ce qu'il y a d'autres déterminants dans cette phrase? Alors, Rim, ce sont tous les déterminants qui se trouvent dans cette phrase. Il n'y a pas d'autres déterminants. Voilà, Rim, justement, je veux que tu fasses cette faute, d'accord? Pour te faire la remarque, d'accord? Parce que il y a d'autres mots qui ressemblent aux articles définis. Tu es d'accord, ma chère? Le, la, l'apostrophe, les, qu'on trouve devant les verbes. Aimer, c'est un verbe, c'est ça, ma chère. Voilà, c'était un berger brillard qui aimait beaucoup les filles. C'est ça la phrase. J'ai enlevé les filles et je les remplacé par les qui est un pronom personnel que je place devant un verbe. D'accord? Lorsque je trouve la, le, les et l'apostrophe devant un verbe, je comprends qu'il ne s'agit pas d'un déterminant. Tu dois faire attention à ça, ma chère. Enfin, la plupart des élèves font la confusion entre l'article défini et le pronom personnel qui remplace un complément. D'accord? Je reprends, ma chère Rim. C'était un berger brillard qui aimait beaucoup les deux filles, d'accord? Pour éviter la répétition dans la phrase, on a enlevé les deux filles et on a mis à la place les, que je place toujours devant un verbe. Voilà? Est-ce que c'est clair, Rim? Alors, ma chérie, ça, ce n'est pas un déterminant. Voilà? Non, ce n'est pas un déterminant, ça. D'accord? J'espère que tu as compris ma remarque. Tu m'envoies un oui si tu as compris, ma chère. Voilà, parce que comme j'ai dit, aimer, c'est un verbe. Alors, vous faites attention. Chaque fois que le, les, devant un verbe, vous devez comprendre que ça, ce n'est pas un déterminant. Très bien, Rim. Très bien, puisque tu as compris ma remarque. Parfait. Bravo. Alors, un dernier exercice, Rim. Voilà, on va voir le sujet. Le sujet, est-ce que tu connais c'est quoi le sujet? Tu peux me donner la définition du sujet? C'est quoi le sujet? Alors, Rim, c'est quoi un sujet, ma chère? Le sujet?
principale. Alors, Rim, le sujet, c'est un mot ou bien un groupe de mots qu'on trouve souvent devant un verbe et c'est celui qui fait l'action. D'accord, ma chère, c'est clair? Le sujet, c'est celui qui fait l'action. Et je le trouve dans la phrase en posant la question qui fait? Qui fait ou bien qu'est-ce qui fait? D'accord? Alors, on a dans cet exercice la première phrase. Les parents posèrent leurs outils contre le mur. Qui pose leurs outils contre le mur? Voilà, tu as répondu, ce sont les parents. Voilà, les parents, c'est le sujet. Très bien. Voilà. Alors, tu donnes la nature de ce sujet. Sa nature, c'est, tu dis, est-ce que c'est un groupe nominal ou bien c'est un pronom personnel ou bien c'est un nom propre. D'accord? Le sujet peut être un groupe nominal, comme il peut être un nom propre, comme il peut être un pronom personnel de conjugaison comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Est-ce que c'est clair, Rim? Alors, les parents, c'est quoi? Est-ce que c'est un groupe nominal ou bien un nom propre ou bien un pronom personnel de conjugaison? Voilà, j'attends ta réponse, Rim. Oui, minimal. Oui, un groupe nominal minimal, c'est ça, Rim. Voilà, la nature du sujet dans cette phrase, c'est un groupe nominal. Très bien. Voilà, et il est minimal, comme tu as dit. Oui, très bien. Minimal parce qu'il se compose de déterminant et du nom seulement. D'accord? Très bien. Alors, dans ce cas, le sujet, c'est un groupe nominal. Très bien. Voilà, on a encore le verbe s'arrêter. Voilà, quel est le sujet de ce verbe, Rim? Tu peux me dire, qu'est-ce qui s'arrêter au seuil de la cuisine? Qui a fait cette action, Rim? Quel est le sujet, Rim? J'attends ta réponse, ma chère. Alors, Rim, on a la phrase. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent. Non, ma chère, c'est pas la porte. Si la porte était le sujet, le verbe doit être s'arrêta. Tu remarques? Le verbe se termine par ENT. Donc, le sujet doit être un nom pluriel. Alors, les parents posèrent leurs outils, puis ils s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. C'est clair, Rim? Ce sont les parents qui s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Alors, ce verbe-là, il a le même sujet que le verbe précédent, posèrent. D'accord? Ils ont le même sujet qui est les parents. J'espère que c'est clair, Rim.
Voilà, tu dois faire attention à la terminaison du verbe. Voilà, avec la terminaison ENT, la porte ne peut pas être le sujet de ce verbe. Le mot qui est au pluriel, c'est les parents. Les parents s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Alors, Rim, alors je t'explique mieux la phrase. Voilà, les parents, ils posèrent leurs outils contre le mur. Voilà, les parents, ils veulent rentrer dans la maison. Ils étaient en train de faire quelque chose dans le jardin, par exemple. D'accord? De travailler dans le jardin, par exemple. Ils vont poser leurs outils. D'accord? Les outils qu'ils ont utilisés pour travailler contre le mur. Ils les placent contre le mur pour ne pas pour les écarter du chemin, d'accord? Par exemple, lorsque tu reviens de l'école, d'habitude, on place le cartable contre le mur. D'habitude, d'accord? Normalement, il y a une place pour les cartables, c'est ça, Rim. Voilà. Et poussant la porte, ça veut dire quoi? Les parents. Lorsqu'elle pousse la porte pour entrer à la maison, voilà, ils s'arrêtèrent. Les parents s'arrêtèrent, voilà, au seuil de la cuisine. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la cuisine. Voilà. Je crois que tu as compris cette remarque. Voilà, Rim, le sujet de s'arrêter, c'est les parents. Oui, et pour le verbe suivant, tourner, effectivement, c'est Delphine et Marinette. Delphine et Marinette qui tournaient le dos à leur papa. Et ça veut dire, leurs parents, pardon, sont derrière elles, d'accord? Sont derrière elles. Sont derrière Delphine et Marinette, d'accord? Voilà, c'est le sujet. Quelle est la nature de ce sujet, Rim? Tu vois, Delphine, Marinette. On a dit que la nature du sujet peut être un groupe nominal, peut être un nom propre, comme il peut être un pronom personnel de conjugaison. Alors, ma chère, quelle est la nature de ce sujet? Delphine et Marinette. Quelle est la nature de ce sujet, ma chère? Rim, remarque bien, Delphine, c'est quoi? Ton nom, par exemple, si je mets ici Rim, leur tourne le dos. Rim, c'est quoi sa nature, Rim? Est-ce que c'est un groupe nominal?
Non, ma chérie, ce n'est pas un groupe nominal. On a dit que le sujet peut être un groupe nominal, oui, c'est vrai, comme les parents qu'on a vus tout à l'heure. Mais Delphine et Marinette, ce sont de noms, des noms, quoi? Allez, je vais t'aider. Rim, c'est un nom. Alors, Rim, Delphine et Marinette, ce sont des noms. Comment on les appelle, ma chère? Vous avez vu dans le cours que le sujet peut être un nom propre, comme dans la phrase Monsieur le Caillon répète la question. Monsieur le Caillon, c'est le sujet. Et c'est un nom propre, c'est ça, Rim. Vous avez vu aussi que le sujet peut être un groupe nominal. Exemple, les élèves de cette classe écoutent silencieusement. Les élèves de cette classe, ça c'est un groupe nominal. Quand il y a un groupe qui est le groupe nominal minimal, que j'ai enrichi avec un complément de mots ou bien de nom qui est de cette classe. D'accord? Et vous avez vu aussi que un sujet peut être un pronom personnel, comme il s'habitue à tout. Voilà, le sujet dans cette phrase rime, c'est il. Il, c'est un pronom personnel. D'accord, rime? Voilà, très bien. Maintenant, tu as compris, Dolphine et Marinette, c'est un sujet et c'est un nom propre. D'accord, très bien. Maintenant, on s'entend très bien ensemble, d'accord? Voilà, c'est un nom propre. Voilà. Maintenant, sucer. Sucer. Quel est le sujet de ce verbe? Qui suçait le bout de leur porte-plume? Qui? Tu vois, le sujet est attaché au verbe. C'est quoi le sujet, ma chère? C'est quoi le sujet dans cette phrase? Elles suçaient le bout de leur porte-plume. Ça veut dire qu'elles mettent le bout de leur porte-plume dans la bouche. Alors, ma chérie, c'est quoi le sujet du verbe sucer? Alors, réfléchis un petit peu, ma chère. Elles suçaient le bout de leur porte. Qui suçait le bout de leur porte-plume? Pardon. C'est qui le sujet dans cette phrase rime? Alors, Rim, si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux me demander, tu peux m'envoyer un commentaire pour mieux t'expliquer une fois pour toutes, d'accord?
y a un petit décalage entre nous, mais ça va aller. D'accord, Rim, on se retrouve demain, Inch'Allah. Oui. Et n'hésite pas à me demander si tu n'as pas compris quelque chose ou bien si tu as encore une ambiguïté concernant le cours qu'on a vu ensemble, d'accord? Alors, bonne nuit, ma chère. Merci beaucoup d'avoir participé à cette diffusion en direct. Je te suis. À bientôt, ma chère. Voilà, mes chers élèves. J'espère que les élèves qui n'ont pas pu assister à cette diffusion en direct parviennent à voir quand même ou bien à revoir cette révision parce que c'est très riche et c'est très utile pour vous, pour eux, pendant la préparation à leurs examens. Voilà, je vous dis au revoir. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.